Ah, just what I was looking for. A riveting production all about the passé composé versus the imparfait. Allow me to give you a preview. Although the passé composé and the imparfait are both past tenses, they have very distinct uses and are not interchangeable. The choice depends on context and on the speaker's point of view. First, let's take a look at a few uses of the passé composé. The passé composé expresses actions that started and ended in the past and are viewed by the speaker as completed. Take a look at the following examples. J'ai nettoyé la salle de bain deux fois. L'enfant est né à la maison. the passé composé is also used to talk about events that happened at a specific point in time or within a specific length of time in the past for example je suis allé à la pêche avec papa il y a deux ans elle a étudié à paris pendant six mois and it's also used to express the beginning Or end of a past action. Le film a commencé à huit heures. Ils ont fini les devoirs samedi matin. Use the passé composé to narrate a series of past actions or events. Watch. Ce matin, j'ai fait du jogging, j'ai nettoyé la chambre et j'ai rangé la cuisine. Pour la fête d'anniversaire de papa, maman a envoyé les invitations. Elle a acheté un cadeau et elle a fait les décorations. Finally, use the passé composé to signal a change in physical or mental state. Il est mort dans un accident. Tout à coup, elle a eu peur. on say Now it's your turn to practice. All done? You're almost an expert now. Next, let's look at three different uses of the imparfait. Use the imparfait to describe an ongoing past action with no reference to its beginning or end. Take a look at the following examples. Tu attendais dans le café Les enfants lisaient tranquillement. Also, use it to express habitual or repeated past actions and events, like this. Nous faisions un tour en voiture tous les dimanches. Elle mettait toujours la voiture dans le garage. Finally, use the imparfait to describe mental, physical and emotional states or conditions. Karine était très inquiète. Mon ami avait faim et il avait envie de manger quelque chose. Remember that avoir has a different meaning in the imparfait and the passé composé. J'avais sommeil. J'ai eu sommeil. À vous. Now, it's your turn to practice what you've learned.